Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à Édition 10 pour ce mercredi 5 septembre 2018. Tout de suite, les informations. Un projet pour l'amélioration et la gestion des informations statistiques est lancé ce mercredi 5 septembre à Port-au-Prince. Il s'agit d'une initiative conjointe des ministères de l'Économie et des Finances et de la Planification et de la Coopération externe. La cérémonie de lancement du PAGEFIS a eu lieu en présence notamment du ministre des Finances Jude Alix Patrick Salomon et de divers autres cadres des deux ministères concernés. Suivez. Il faut nous dire réforme des finances publiques. Là, c'est un bagage qui commençait depuis un bon petit temps déjà, depuis la fin année 90. Et où qu'on est, l'État en général, il prend temps pour le bouger. Donc, réforme a commencé depuis la période ça, nous. Et faire loi sous finances publiques évoluer. Nous venons créer des institutions, particulièrement autour de 2004-2005. Nous créer plusieurs institutions, y compris à l'époque l'ULCC, mais UCREF et CONAL, c'est dans la période de ça. Nous créer des corps en le ministère de l'économie et finances, corps des comptables publics, corps des contrôleurs financiers et inspection générale des finances. Et là, nous avons un déploiement réforme, non, notamment. Nous avons déployé des comptables publics dans toutes institutions, mais également dans les départements, de telle sorte que les transactions financières sont capables de meilleur contrôle qui fait sur eux. Donc là, c'est une étape nouvelle que nous franchissons, une étape nouvelle que nous franchissons dans la réforme nan, à travers le projet ça que nous lançons aujourd'hui. Avant, dans le ministère des Finances, non? Où tu as plusieurs sous-systèmes, plusieurs bases de données qui ne sont pas reliées l'une à l'autre. L'elle pas reliées l'une à l'autre, ça fait que des fois qu'il y a des pertes d'informations qui sont faites. Hein? Des pertes d'informations. Il y a plusieurs systèmes d'informations dans le ministère des Finances là, actuellement. Ou bien par exemple, avant, tu as 6DEP. Ce sont des systèmes informatiques. Hein? Ou bien 6 comptes. Ou bien 6 pays. Ou bien on va relier GL qui pour la comptabilité publique. Oui. Mais il n'y a pas forcément relié l'une à l'autre. Et le fait que vous va relier, ça fait que vous perdez les informations. Autre point de l'actualité, la commission sénatoriale chargée de l'analyse des pièces du Premier ministre nommé se déclare prête à présenter son rapport à l'Assemblée du Grand Corps. Selon le sénateur Jean-Rigaud Bélisère, le bureau est toujours dans l'attente du dépôt des pièces et de la liste des ministres devant constituer le nouveau gouvernement. Ces pièces ajoutées à l'énoncé de politique générale serviront de base à la décision de l'Assemblée, insiste le parlementaire. Ses explications. Le on bloc politique tant que GSEP dit que nous ne pouvons pas participer dans le gouvernement, nous avons un signal nous dévoué et par la suite nous avons un pile collègue sénateur qui te dit même tout. Il n'y a pas pour entrer dans la dynamique. Il y a eu le contrôle. Ça a dû intéresser nous en tant que citoyens haïtiens. Des fois, nous plus garder bah, là sur le côté qui est négatif. Là. Et au lieu que les citoyens haïtiens disent bon, normalement, pour nous voter pour le ministre, il faut que les ministres disent bon, et on encourage le président de la République là, sans que nous pas bien faire pression. On nous encourage le Premier ministre nommé pour le bail, les ministres pour votre la fête, nous sommes plutôt contents pour dire bon, c'est chercher et l'idée d'influence qu'a fait pour que tel sénateur et tel ministre parlement a bloqué. Moi, je pense qu'il faut que nous sortions dans cette situation ça pour nous garder bah, généralement de manière positive et ça va le permettre nous sortir dans cette situation difficile que nous avons pour nous, pour même l'international, pour notre lecture de nous-mêmes. Parce que là, on appelle comment ça a fait de un bloc politique, parce que nous-mêmes, en tant que 10 sénateurs, si nous avons prêté dans la même pratique là, nous avons exercé des pressions politiques pour nous dire, eh bien, nous, chaque en nous, un ministre. Puis c'est nous expérience ça, le baba résultat. Et sans ça, le baba résultat, c'est ça qui fait que nous croyons qu'il faut changer méthode. Et ça fait nous-mêmes au niveau GSEP, nous demander, nous lancer appel là à ensemble des sénateurs et députés pour nous dire, un bail exécutif là, président de la République avec Premier ministre, l'attitude avec parti politique.
qui est en même tendance avec lui pour choisir le gouvernement. Mm-hmm. Et que nous-mêmes, nous avons un rôle par nous, qui se contrôle, qui se analyse le dossier, analyse la déclaration politique générale, là, ouais, est-ce qu'il colte à la situation de l'heure là, la situation actuelle là, qui se répond à un ensemble d'exigences, de misère. Problème qui est dans la société à partir de ce moment ça de ce moment là pour nous mêmes pour nous voter. Mais papa vie mon cap gardé on dit sénateur Belize, ça fait déjà un bon temps depuis médecin il y a nomination et discussion au prend plus le temps. Il n'est pas de la responsabilité du parlement parce que nous-mêmes nous qu'a exercer pression sur les mêmes gens ouais il y a des lettres qui fait côté nous écrit et premier ministre pour nous demander pour que les vini parce que lettre ça rejoint nous quoi hier ou bien avant hier. Ouais. Pour que lui vienne pour présenter le ministère et puis présenter déclaration politique générale. Et c'est à partir de l'état que M. Seyan voyait copie déclaration politique générale. Mm-hmm. Nous-mêmes, nous avons fait travail, nous avons veillé pour que le travail soit fait le plus rapidement possible. Et si déclaration pour le Premier ministre pour que tendez dans le Sénat République, ce n'est pas nous-mêmes. C'est... Parce qu'au niveau de la commission, nous prêts sur analyse dossier M. Seyan, nous prêts déjà, il y a un rapport à qui s'en est prêt, sauf que nous-mêmes, nous avons besoin. Pour que nous gagnions le ministre de manière rapide, pour nous faire un coup d'œil sur le dossier et pour que nous tendions des déclarations politiques générales. Donc, ça, le second problème qui est posé, ce n'est pas au niveau du Sénat de la République. À part de l'ISMINISA et que nous demandons de vous jouer rapide là, si tout va être fait, je dis là, c'est un pari gagné pour Jean-Risser. Pour moi-même, nous n'avons pas qu'à camper pour nous dire que c'est un pari gagné. Puis si nous-mêmes, nous avons analyse dossier qui vous faites, nous avons une commission pour, qui vous présente le rapport. C'est à partir du rapport, nous allons regarder est-ce que toutes conditions remplies pour le Premier ministre vient Premier ministre. Parce que même nous-mêmes, nous avons sorti dans une situation problème. Nous ne pouvons pas sortir dans une situation problème, nous allons tomber dans l'autre situation problème. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous prenions responsabilité nous en tant que sénateurs, même là, nous ne pouvons pas bloquer un Premier ministre pour qu'il travaille la fête correctement. Et nous sommes capables de dire de manière scientifique. Et scientifiquement, c'est respecter la Constitution. Oui, c'est clair, parce que pour la Constitution amendée, nous ne pouvons pas voter sous choix encore. C'est seulement sous déclaration politique générale, nous ne pouvons pas voter. Nous ne pouvons pas voter sous déclaration politique, là, mais en même temps, constitutionnellement, nous avons le droit comme des deux pour analyser le dossier, pour nous garder est-ce qu'il remplit les exigences constitutionnelles. À présent, parlons d'éducation pour faire savoir que le directeur départemental de l'éducation de l'Ouest a distribué le mardi 4 septembre des centaines de lettres de nomination à des enseignants d'écoles nationales et de lycées. Cette démarche participe dans un ensemble de mesures prises par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en vue de permettre aux écoles de mieux fonctionner durant la nouvelle année académique, a fait valoir Louis Fritz d'Armainville au micro de la TNH. Renforcer ensemble des décisions ministre prend au niveau des directions départementales là, nous mettons toute logistique pour toute machine que nous gagnons à la disposition de ensemble d'inspecteurs pour nous faire des brigades qui permettent d'aller dans les écoles publiques et non publiques, garder comment ça a fait, faire des recommandations, faire des corrections parce que nous pas qu'à quitter ça dérailler en même. Et pour les lycées notamment l'école nationale, ils contrôlent. Ça nous relève les sous-traitances, des professeurs qui nomment, qui gagnent chèque l'année, qui ne viennent pas travailler, qui prennent un monde de travail pour eux, ou pas contre le niveau mounio, etc. Ou bien gagnent tout, qui l'ont payé, qui l'a, mais qui l'ont l'autre job, qui décide de pas venir travailler, ils veulent un monde qui est pour eux. Donc nous voulons éliminer ça. L'autre catégorie, tout, c'est des mounes, chèque l'a sorti, mais c'est bataille directeur lycée, bataille avec eux, directeur école nationale, pour eux venir travailler. Donc nous sommes en relève absentéistes. Donc il faut nous porter correction à ça. Mais si nous disons nous besoin de résultats, faut que nous recevions plein de l'instruction. On a un problème récurrent dans le système non, de professeurs qui ont 2-3 ans, qui sont dans la salle de classe. Pendant 2-3 ans dans la salle de classe, ils ne sont pas nommés. Mais si ils ne sont pas nommés, ils toujours pris la rue. Et ça fait année ça, il y a un pile d'efforts qui fait. Et c'est l'occasion pour me féliciter le président de la République, pour me féliciter le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agino Kader, à toute équipe liée et gouvernement aussi, qui dégage des fonds pour permettre que je dis ça même. Nous avons distribué là 1293 lettres de nomination. Et nous avons distribué déjà, mais je dis à 1293.
Et puis sachez que les démarches, les préparatifs plutôt se poursuivent au niveau du département du Sud-Est dans la perspective de la rentrée des classes. Contrairement aux autres départements, la reprise des cours est prévue pour le lundi 10 septembre prochain. Les autorités départementales de ce secteur affirment qu'elles sont en train de mettre la dernière main en vue de permettre aux élèves de reprendre le chemin de leurs écoles la semaine prochaine. Un extrait. À partir de lundi prochain, l'école là, au niveau département sud-est, là, a prend normalement. Le directeur départemental là, a distribué 80 lettres et nominations pour professeurs qui étaient enseignés, mais qui peuvent rejoindre les nominations. Il y a 77 qui sont venus la semaine prochaine ou bien au cours de semaine. Là. Donc, au niveau et nomination, il y a environ centaine de lettres de nomination qui viennent dans le département. Il y a des livres tout, qui sont distribués dans le département et même il y a de l'école privée que le gouvernement subventionné, c'est autour de 40 comme ça. Donc, gagner un ensemble de dispositions qui pour accompagner et ouverture des classes là. Et puis, sachez que la direction générale de la Maison des Champs dément des rumeurs faisant croire que les ouvrages produits sous son label ne sont pas couverts par le programme de subvention de l'État haïtien. Comme à l'accoutumée, les manuels produits et distribués par l'imprimerie Henri Deschamps sont subventionnés par l'État haïtien, confirment les responsables de cette maison d'édition au micro de la TNH. Lundi 3 et septembre, que toute obligation fine remplie et toute les fines comptées et l'État et payé avance sous et sur les premières tranches, deuxième tranche sous et contrat subvention. Nous avons des rapports pour nous remettre par le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons une caution bancaire pour et garantie de bonne exécution contrat pour nous remettre par l'Éducation nationale. Caution d'avance pour et avance sous valeur subvention que l'État à payer par éditeur là et nous te gagné tout pour et gagner inspecteur ministériel pour te venir compter livio vérifier que toutes livio là toutes livio conforme à sa contrat dit à partir de hier mardi qui était 4 et septembre c'est jour ça que Ventlan l'ouvrit tout bon bail public là donc si yon parent paraît là hier, il paraît là jodi, il paraît là dorénavant, l'a joint livre subventionné jusqu'à épuisement stock qui subventionné parce que faut connait tout que et chaque titre que l'État subventionné, il pas subventionné non quantité illimitée. C'est pas pour toute valeur population en besoin que livre l'enca et qu'a vendre dans prix subvention. Donc si l'État subventionné et 10 000 exemplaires non livre, c'est 10 000 ça seulement qui ka vendre dans prix subventionné. Une fois que 10 000 en fin vendre dans prix subventionné et l'autre même livre là et pour l'autre quantité qui vient en après, c'est dans le prix normal pour le vendre. Et puis sachez que le président de la commission économie et finances du Sénat de la République a tenu à apporter quelques précisions en ce qui a trait à la répartition du budget rectificatif fraîchement voté au Parlement. L'élu de la Grand'Anse explique le rôle joué par le pouvoir législatif en matière d'adoption des lois de finances. Par ailleurs, le sénateur Jean-Rigaud Bélisère annonce que des réductions sont opérées dans le budget du Parlement. Ces précisions. C'est voter, nous voter budget, mais exécution budget, ce n'est pas dans mes sénateurs, ce n'est pas dans mes députés, c'est plutôt au niveau des ministères qui ont responsabilité pour agir dans le pays. Mais généralement, lorsqu'ils votent en un ministère, c'est presque pour tout postérité. Et je encourager pour qu'il y ait un travail qui fait. En dans même votre budget pour nous t'arriver dans le budget programme pour nous dire eh bien tel ministre n'a voté tel comme vous mais citoyen qui dans commune Moro commune Chambellan met telle portion qu'elle gagne dans le budget qui a obligation pour exécuter tel projet dans telle commune dans tel moment et dans telle période bien déterminée. Oui, ça, que idée, et c'est ça moi-même penser c'est vers ça pour nous aller et là ça sénateur pas obligé
gagner ça me d'agarrer fait des marches pour donner une subvention pour porter dans ces conséquences parce que ça nous parle plutôt contrôler est-ce que ministre est exécuté à la lettre et bien pour provision ou bien nous te balle pour que les résoudre tel problème ou bien tel problème. Alors, et là ça aujourd'hui à l'entrée de classe ça me pas bien parents qui prendre pour demander appui pour demander support en dans l'entrée de classe. C'est ça. Maintenant le passé de combien à combien le budget initial de combien? Malheureusement pas un budget à même mais nous passé ma beau bien un problème qui était posé au niveau du parlement. Mon on t'a parlé de 7 milliards de gouttes. Nous descendons à environ moins de pour le parlement général chambre député ça moins de 6 millions de gouttes. Et nous avons gagné, par exemple, la question de construction du Parlement, qui était rentrée dans le budget et Sénat même. En réalité, c'est un montant qu'il a pour que ICLBP qui gagne et comme ça, il a supposé le ministère de la planification. Malheureusement, et tu as un choix qui était fait pour te mettre en donné que c'est Parlement pour le Conseil, tu as mis un montant comme ça dans le budget Parlement qui était venu grossir. Budget parlement. Ça veut dire, et à partir de ce moment-là, nous-mêmes, nous demandons au ministère de planification pour le rapatrier comme ça, parce que normalement, c'est le ministère de planification, parce que c'est le ministère de planification qui a une responsabilité pour construire les bâtiments publics. Sachez que la commission présidentielle pour l'innovation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes a distribué le mardi 4 septembre des motocyclettes et des chèques de subvention à des comités communaux de jeunes du département de l'Ouest. Le coordonnateur de la commission, Rico Pierre-Louis, a affirmé que le chef de l'État vise à travers ce geste à encadrer les jeunes des quatre coins du pays. De son côté, le coordonnateur de la sous-commission animation socio-culturelle, Alexandre Telfort-Fils, a expliqué le bien fondé de cette distribution. Ses explications. C'est avec grande satisfaction qu'on a procédé aujourd'hui à la distribution de matériel, motocyclettes, casques et même des chèques de subvention que nous avons jeunes. Et distribution ça y inscrit justement dans le cadre engagement le président Jovenel Moïse te prend pour encadrer les jeunes dans tout le pays hein. Et c'est deuxième ou troisième fois n'a procédé justement à distribution de matériel des jeunes. N'a rappelé depuis la commission créée commission arrivé faire des mises en place dans toute commune qu'on est en commission présent dans toute section communale et nous déjà commencé par les jeunes matériels depuis quelques mois. Ils ont gagné ordinateur portable, ils ont gagné avec abonnement internet bien sûr, ils ont gagné téléphone cellulaire pour communiquer entre eux et n'a pas eu des moyens pour déplacer au niveau de commune pour yo cap travailler toute l'autre jeune dans toute commune dans toute section communale. Distribution ça cap fait jeudi hein, c'est en première et nous gagné des délégations de commission qui déplacent qui dans toute commune et qui va aller dans tout département yo qui déjà déplacé qui était Port-au-Prince qui va faire distribution dans tout l'autre département pendant toute la semaine là. Donc pour permettre jeunes de joindre moyen comité local yo joindre moyen pour faire activité yo et continuer de travailler avec l'autre jeune qui dans toute commune dans toute section communale. Commission parallèlement à distribution de matériel n'a fait yo nous gagne des autres activités par exemple nous gagne des sessions de formation que nous fait pour jeunes dans tout domaine. Par exemple nous gagne des jeunes n'a formé comme guide touristique culturel dans toute commune. Nous faisons ça dans le Grand Sud déjà. Nous avons des formations nous faisons dans tout l'autre domaine pour jeunes. Nous gagnons tous des modules de formation sur question technologie et réparation de téléphone. Nous faisons dans l'Ouest, nous faisons dans tout l'autre département. Donc, bref, c'est un ensemble d'activités qui sont programmées et qui commencent à être faites dans tout le département. Et c'est ça, c'est un souci pour vraiment nous accompagner la jeunesse haïtienne, aider justement. Réaliser ça rien comme rêve, comme projet. Président, tu as un mandat pour nous aller dans tout le pays, pour nous mettre les jeunes en valeur, pour nous mobiliser, pour nous former, de manière à ce que nous ayons des capacités pour nous accompagner, nous encadrer, nous supporter et nous innover. Et justement, pendant toute année, nous arrivons à mettre campé dans chaque commune, un comité local de jeunes. Qui gagne que nous montons avec les collectivités territoriales, magistrats et jeunes eux-mêmes, c'est eux que nous choisissons qui ont un mandat pour
accompagner, encadrer, supporter les jeunes et puis porter innovation en la commune. Et justement, travail ça, nous connaissons les jeunes pas qu'à arriver faire sans yo pas gagner des outils pour le travail. Dans ce même sujet, plusieurs bénéficiaires des comités communaux de jeunes ont remercié la présidence pour ses motocyclettes. Ces représentants locaux de la commission pour l'insertion des jeunes estiment que ces engins mobiles vont leur permettre de mieux effectuer les travaux dans leurs communes respectives. Écoutons-les. On a dit à la présidence Kembela, ce travail-là, et nous maintenant continuer de travailler ensemble avec elle, parce que jeunesse, citoyens de communes et provinciaux, par exemple, pour Cornillon, c'est des communes qui sont très difficiles. Jeunes, ils ont plus de talent, mais ils n'ont pas de monde qui peut aider, encadrer, qui peut développer le talent. Et maintenant, on dit à la présidence, continuer à faire le même travail, ça. Continuer à aider les jeunes, continuer à aider les jeunes pour que les jeunes suspendent la partie, pour que les jeunes espoir dans le pays, ça toujours. Parce que les pays, ils ne sont pas censés offrir les jeunes, mais avec les gens de travail, ça commence à faire là. Je pense que si nous faisons. Et puis plus nous prenons plus jeunes. La donne, ça permet comme si il y a plus de bagages qui fait dans la communauté et jeunes qui viennent gagner espoir que Haïti va changer. Nous bénéficions moto, c'est pour nous qui avons toujours fait le travail que nous avons habitué à faire dans la commune. En fait, nous sommes travailleurs sociaux, des gens qui ont aidé les jeunes, formé les jeunes dans la commune. Nous avons commencé le travail depuis avant que nous recevions aide de la présidence. Heureusement, nous venons jouer moto à là qui va permettre nous aller dans un endroit côté nous pas qu'arriver. En fait, message moi pour la jeunesse, c'est la jeunesse mobilisée, ancien yo pralé, c'est nous mêmes qui vous remplacer, donc c'est depuis kounia pour nous mettre nous dans patte là. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée sur la télévision nationale d'Haïti. Au revoir.